Ok, bien le bonjour tout le monde, nous allons chasser aujourd'hui le Ludroth Royal. Cinquième monstre de ce jeu, c'est parti, on prend la quête et on se casse. J'ai fait le plein déguisoir de potions de vie et de la viande pour la stamina. Du moins pour l'endurance, je préfère dire l'endurance. Chose que j'avais oublié dans la précédente vidéo. Et cette fois-ci, je me suis pas fait avoir. Heureusement, dans la vidéo contre le Kurupeko, c'est passé juste au niveau de de l'endurance. Et ça, voilà, on y va. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne? Donc, déjà la carte, hein, des potions de premier soin, des rations, les mini-aiguisoirs. Bon, allez, on les prend. Des marqueurs, c'est important. Alors, couteau de poisson. On prend, je sais pas ce que c'est. Mini bombe. Ça c'est pour respirer sous l'eau à mon avis. B-soin, pourquoi? À quoi faire? Bon enfin bref, on y va. Alors on a le truc qui va être blindé. Il me fait chier ce putain de méga finasec là, il me prend de la place dans mon inventaire. Alors je sais pas, alors voilà. On va chasser le mal alpha de ces trucs en fait. Parce que c'est la première fois que, pour ceux qui me suivent, c'est la première fois que vous les voyez. Alors voilà, là on est dans une partie où il y a pas mal d'eau en fait, et j'aime pas les environnements dans l'eau. Je sais pas s'il y en avait dans des précédents Monster Hunter, des environnements dans la flotte, mais voilà, c'est vrai que moi personnellement, franchement, j'aime vraiment pas. J'aime vraiment pas. C'est pas... J'arrive pas à jouer, je sais pas, je... C'est pas cool. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai absolument pas changé de stuff par rapport à la vidéo d'avant. Et c'est justement celui-là, ce monstre-là qui va me permettre de changer un petit peu de... Déjà il va me permettre d'avoir une nouvelle arme. Voilà. C'est ce bordel qu'on va chasser. Allez, c'est parti. Merde. Il m'a pas vu encore. Allez, tac. C'est parti, on y va. J'espère qu'il est pas fort, je connais pas ses coups, je connais rien du tout. Je sais pas à quoi il est sensible. Bon, ses petits compagnons, ils vont pas faire de dégâts. Je sais. On peut lui couper la queue, je sais juste qu'on peut lui couper la queue. Voilà, on déjà il se roule dessus. D'accord, il roule sur lui-même. On va essayer de... Oh la vache. Bon, il fait pas trop de dégâts. C'est déjà une donnée très intéressante. Voilà. Waouh. Heureusement qu'on a nos compagnons parce que ils tankent un peu si vous voulez, ils attirent l'attention des ennemis et c'est vrai que pour ça c'est super cool. Et là il va dans la flotte. Et en plus ce qui est bien c'est que des compagnons, on va pouvoir en avoir un deuxième plus tard. Oh, je pense que ça va le faire. C'est quoi ce truc dégueulasse qu'il y a par derrière? Oula, je suis empoisonné. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma barre de... Ah non, non, non. Ah ouais, la vache, il est solide ce con. Est-ce que j'ai envoyé une... Non, j'ai même pas envoyé de petits marqueurs. Voilà, comme ça s'est fait. Ah, merde. On va aller s'aiguiser le... les arbres. Bah tiens, on va en profiter. On va prendre une petite potion au passage. On va en prendre deux. On va prendre...
Non, merde, oh putain, va chier. Avec des larmes, c'est bon. Allez, on y va. C'est dommage que le jeu ne nous empêche. C'est dommage que le jeu nous empêche pas en fait de boire une potion quand notre vie est au maximum déjà quoi. Ça serait bien. Ça éviterait des petites erreurs comme je viens de faire, mais bon c'est pas important. C'est pas grave. Là il va dans l'eau. Oh non, il se casse carrément ce con. Ok. Allez vas-y, tchatché, on y va. Pourquoi il s'est barré? Il a peur de moi. Attention. Ouf. Faut faire gaffe vraiment quand il se roule dessus. Ah il m'a mordu. Normalement on peut lui péter son espèce de bordel spongieux autour du cou là. Ouais, il se roule dans l'eau en fait pour recharger ce... C'est comme une éponge qu'il a autour du cou et il crache de la flotte avec. Oui. Voilà, là c'est bien. Je pense qu'on est bien, on a fait du bon jeu. Putain. Non, me dis pas que... Oh là 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 là, ces armes de cul. Ouais, allez, je rentre chez ma mère. Ouh, attendez, il a perdu quelque chose, attends. Patte de chat, bon, c'est pas lui qui a perdu ça. Attendez. Oh là 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 là. Il va me frapper lui, il va me frapper con. Oula, fort, il a failli me frapper. Ils sont devenus complètement fous déjà. Allez, j'aimerais bien lui... Ah oh, ouais, vas-y, vas-y. C'est là pour en profiter là, quand il fait comme ça. Là. Oh. Ah, c'est de la vie, faut que je bois de la vie, faut que... Prochaine fois que je me fais taper, je rebois de la vie. Voilà, allez, je reprends un peu de vie. Va falloir que je commence un peu à améliorer au niveau de ma vie. Merde. Hop. Va falloir que je commence à améliorer les potions que j'ai, que je prends, parce qu'elles me redonnent pas vraiment beaucoup. Ouais, comme ça, je vais là. Ça, c'est un chat. Ouh, ça me fait peur, ça. Oh, premier soin, là, c'est bien, ça. On perd pas de temps, tranchant maximum. Oh la vache, il balance des bombes sur mon tcha-tcha les félines. Je sais pas si ça s'appelle comme ça les félines. Oh, il m'a chargé. Allez, qu'il y a quelque chose qui se pète là un peu. Oh là 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 là. C'est catastrophique hein. Il me faut ce qu'il a autour du cou là. Voilà, il balaye avec sa queue. Ah ouais.
Allez, on lui pète. Ah, con. À partir du moment où mon arme est en fait à un tranchant tout à fait normal, je peux lui taper qu'au niveau du de la tête, là où c'est mou quoi. Sinon ça passe pas, le reste ça passe pas. Oh ça y est, j'ai pété la mousse. Oh ouf. Attendez, il a dû laisser tomber quelque chose d'intéressant. Il faut que je le prenne, c'est obligé. Oh non, c'est naze ça. Je me mets toujours derrière un arbre comme ça, parce que ça l'empêche de passer. Ça le ralentit grave en fait. Du coup. Hop là. Petit truc électrique. Ah! Oula! Ouais, ça y est, je commence un peu à le. Oh putain! C'est vrai que ça arrive. On va lui remettre un marqueur dans la tronche parce que. Juste, je prends encore une potion. Voilà. Allez, une autre. Parce que le marqueur n'est pas indéfini en fait. Il est pas infini et du coup au bout d'un moment il s'en va, donc il faut lui en mettre un autre. Par contre, vous voyez là on est dans la flotte et je n'aime pas l'eau. Je n'aime pas du tout l'eau. C'est un environnement que je n'aime pas. Alors je vais lui envoyer le truc. Ouais, je l'ai loupé déjà, ouais, super. Ouais, c'est pas grave. Ouais, j'y arrive vraiment pas. Oh là là. Il doit être plus rapide dans l'eau et tout. Son élément, quoi. Putain, j'ai du mal à savoir où je suis là. Oh là 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 là. Allez, il s'en va. Il est parti où là? Ouf, il est allé loin. Allez, c'est parti, on y va. Allez. Normalement, il est en bas là. Hein. Si je dis pas de la merde, on descend par là. Ouais, voilà. Allez, ça passe là, je suis au niveau de sa tête. Putain, j'avais été sûr que j'aurais dû réaiguiser mon arme juste avant de rentrer dans la zone. Oh la vache. Bah, je vais réaiguiser mon arme. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Non, va pas dans l'eau, va pas dans l'eau. Il va se rouler dans l'eau. Il va cracher partout après.
ça c'est fait. Ah non, je suis censé pouvoir lui couper la queue, quoi. C'est obligé. Et il va replonger, ce bâtard. En plus, quand lui il plonge, il fait ressortir des trucs, mais ceux-là, je les tue vite. Mais bon, on va éviter de les taper, ça. Oh. Ok, d'accord. Allez, on se casse. Allez, remonte. Oh, mon Dieu. Ça y est. Yes. Un beau combat. J'aurais bien aimé. Attends, on voit même plus mon personnage, quoi. Je suis à l'intérieur, je suis bien là. Ah, du curse, mon jeu, c'est ça qu'il me fallait. Oh, yes. Ah, je suis content. Encore un, si tu veux. Écaille de lutte droite royale. Allez. Écaille de... Ok, d'accord. Et il fallait du curse, mon jeu, ça, c'était obligé. Ah, je suis content. Je suis content. Allez, toi, je te défonce. Et voilà. Oui, ils se tuent assez rapidement. Ça, mais ça fait un petit moment que je peux les affronter, ceux-là, donc du coup... Éponge immature aussi, j'en avais besoin d'une super. Oh, j'ai eu de la chance. C'était pas prévu et... Ah, je suis content, là. Je suis vraiment content. Donc, eh bien, écoutez... On va s'arrêter là, hein. Et puis, moi, je vais pouvoir... Je vais pouvoir préparer, si vous voulez, ma nouvelle arme. Ouf, oh là là là. Alors, bon, d'accord. Cure spongieux, super. Cure spongieux, c'est ça que je veux. Une poche d'eau, super, il m'en faut une. Cure spongieux, super. Par contre, je crois qu'il m'en faudra une deuxième de poche d'eau. Ah, des sphères d'armure 2. Ça, c'est bon aussi. Cure spongieux, ça vaut pas. C'est bon, j'en ai plus ce qu'il m'en faut. Donc là, ça va être super parce que... ouais, je vais bientôt pouvoir me crafter mes nouvelles armes. Et ces nouvelles armes vont me permettre de faire des dégâts, en fait, d'eau. Et ce qui va me permettre de taper, de pouvoir bien taper le Kurupeko, là, celui qu'on a vu précédemment. Le monstre, l'espèce de piaf. Et qui va me permettre de récolter pas mal d'éléments sur le Kurupeko qui va me faire... avec, je vais pouvoir faire de nouvelles armures, quoi. Tout un nouveau stuff avec les trucs du Kurupeko. Petit, c'est un truc de malade. Regardez ça, je viens de tuer le monstre, il y a tout le monde qui veut me parler. Je veux voir ce qu'elle veut me dire, juste elle. Bonjour, ravi que de vous revoir. Vous avez montré au Lutorel qui est le chef. La flotte de chasse s'est fait déjà mise au travail. Et c'est grâce à vous, la guilde le sait, je... Paris, qu'elle vous demandera de chasser d'autres monstres. Il n'y a qu'à attendre, votre code de popularité augmente en ville. On parle même de faire une figurine à votre effigie. Super. Oh non, je plaisante. Oh d'accord, ok. Mais ça aurait pu être... Suivante, c'est un grand monstre vivant dans les plaines de sable. Le Barotte. Quel genre de monstre est-ce? Mon carnet récent mise à jour. Barotte. Wyrven brutal vivant dans les plaines de sable, caractéristique inconnue. J'espère que cette description inutile vous décourage pas, vous ne vous attendez pas à ce qu'il soit utile. Vous n'êtes pas dur, chasse. Bon, voilà. Voyez, les discussions, les dialogues sont un peu inutiles, quoi. Je comprends qu'il y en ait qui les passent. Bon, ça, c'est pas ça, un mal pour rien. Mener l'assaut. Alors, voilà, le Barotte. Et ça, c'est capturer un Ludotor. Voilà, à chaque fois qu'on tue un monstre maintenant, et ben la quête suivante c'est juste de le capturer. Donc c'est plus simple quand même à capturer qu'à les tuer. Mais bon, écoutez, prochaine vidéo, on se fait le Barotte, qui a l'air d'être une créature assez brutale, quoi. Allez, sur ce, je vous laisse à tuer, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.